Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le catalogue de Crapabel, là, il est arrivé aussi. Ah, c'est vrai qu'on est depuis le début du jour, on n'est jamais retourné dans nos maisons. Pas au courant que j'ai une maison là-dedans, moi. C'est quoi, on va commencer le live par aller voir ta maison. Et donc là, si tu prends le téléphone qui est là, t'as accès au catalogue. Avec l'argent, tu peux acheter des trucs. Gros, chez toi, t'as une grosse tirelire. Et tu stockes l'argent dedans et après, tu peux aménager ta maison. Quand t'es au max, l'argent va directement dedans? Oui. Incroyable, oh, j'adore. Oh mec, je veux ça! Tu veux quoi? Des ailes. 1500, je les veux. On fera peut-être un ou deux lives où on aménagera nos maisons, mais on n'en fera pas tant que ça. Je crois qu'il faut que je tabasse des yes-man. Ma mission, elle est inattendue. Genre, c'est vraiment un truc qu'on n'a jamais fait. Je dois tuer des Bloodsuckers. Waouh, choc barre de BZ. Les yes-man, on en a croisé zéro. Il n'y en a pas, là, des yes-man? Dans ma rue, non. Mais il y a d'autres rues, au moins. Si tu veux, on peut essayer de s'aventurer dans une rue un peu plus féroce. Tu vas découvrir les nouveaux biomes, c'est bien. Oh mon dieu, les musiques, elles commencent à me revenir dans la tête, là. Ah, 90% de boss bots. Non, mais là, si on y va, on va se faire démarrer, en vrai. Mais je suis sûr qu'il y a un yes-man dedans. Je suis prêt à mettre ma main à couper, mais c'est chaud. Attends, j'essaie de lui faire comprendre. Est-ce qu'il va venir avec nous ou pas? Est-ce qu'il a compris le message? Vas-y. Ah, I need more gags. Ah, ok. Ok. Bon, je me suis fait un pote. Je sais pas si t'as demandé un ami, toi aussi, mais... Non. Le aussi, il a compris. Viens, c'est bon, on y va. Je te parie qu'il y a ton yes man. Voilà. Oh putain, on est mort. À être carré un peu. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Je voudrais m'excuser. Voilà, c'est pas mal. On en a déjà fumé deux. Waouh. Oui. Ah, c'est bon. Ah, je dois tuer deux Bloodsuckers. Viens avec moi, je t'emmène. Mais du coup, tu vas voir les images plus vite que moi. Mec, il y a un yes man dans la rue, là. Tu vas rire, comme de par hasard. Je pense que ça va faire comme le live de la semaine dernière, on va chercher pendant... Non, je sens pas, je le vois, là. Parce que j'aime vraiment de faire toute la map, quoi. Si tu fais des allers-retours dedans, il y a un moment où il va bien atterrir, tu vois. Ils viennent du ciel. Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Je viens du ciel, et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Bien. Ah, j'ai un Bloodsucker. Il roule du cul, hein. Oh non, toi, t'as fini. Ah ouais, j'ai fini. Allez, salut, je me casse. J'ai dit, l'objectif de ce soir, ça serait bien qu'on arrive à le débloquer, ce truc-là. Mais à mon avis, on va pas y arriver. À mon avis, t'es... Ambitieux? Ça fait... Ça oui, fait, aussi. Ça fait une petite... Ah, t'avais pas dit le mot ambitieux, c'est marrant, j'ai cru que t'avais dit autre chose. Non, j'ai dit ambitieux. Ouais, ouais. Propose aucune mission qui me permette d'avoir une frame. Tu sais ce qu'on dit par chez moi? On dit « chais ». Pas par chez toi qui dit ça, c'est les Sumériens. Donc un Sumérien voit cela et dit « ah, chais ». Je dois battre un a name dropper. Oula, il n'y a pas beaucoup de cela. Ouais, bah je vois ça. Oh, un yes man. Tu vas voir qu'on va nous croiser pendant tout le live maintenant. Là, je suis en train de sortir de... Silly Street, t'étais où, toi? Moi, j'étais à Loopy Lane. Je vais à Silly Street. On vient pas de la Silly Street, nous. On vient pas de la Street, nous. Le truc relou dans ce jeu-là, c'est le fait de vouloir chercher les bots. Là, je pourrais avancer, en fait. Là, c'est gameplay balade, donc... Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. On se retrouve aujourd'hui pour Promenade Gaming. Le simulateur de promenade. Oh, on dirait que je me balade réellement. Plus jamais j'irai à l'extérieur. Les graphismes sont incroyables. J'ai un yes man là si tu veux. Non mais c'est un truc de ouf hein, quand tu les cherches plus, ils sont là. Y'a pas du tout ce que je cherche. Okay. Après y'a peut-être ce que tu cherches. Mais après ça a peut-être changé. Le Toontown il a changé. Le football il a changé. Si. Ah oui, c'est pas le lobby ça. Wow, c'est pas le clavier ça. Ah si, c'est le lobby, mais le... C'est bon, tu découvres le lobby de Donald. Oh tiens, encore un pencil. Oh tiens, encore un Bloodsucker. Oh tiens, encore un yes man. Oh tiens, encore un Bloodsucker. Je suis en train de pêcher pour me faire de l'argent pour m'acheter les ailes. T'es trop chiant, mec. Mais en vrai, c'est trop cher, je crois que c'est 1500. Mais je te jure que si je les ai, je les quitte jamais. Hein. Le premier qu'on trouve, on le fait, que ce soit un lobot ou un sellbot. Ah, j'ai un lobot, là. C'est toi qui dois faire un lobot, non? Ah, il y a un sellbot aussi. Viens, on fait suite devant et suite derrière, il va rejoindre, mais je suis même pas sûr. Faut bah en vrai, si, hein. Tu crois? Bah viens, on essaye, mais j'ai peur qu'il s'envole. Ah, j'en suis sûr. Bah non, regarde, il s'est envolé. Ah. Par contre, tu vas voir que celui qui arrive derrière, là, lui, par contre, il va nous rejoindre. Sinon, c'est pas drôle. Alors que c'est un cashbot et qu'on en a rien à faire. Voilà, qu'est-ce que je disais. Ah, il y a un sellbot qui arrive derrière. Le sellbot, il va s'envoler, lui. Voilà. Mesdames, messieurs, bienvenue, vous êtes sur le live du troll. C'est extrêmement simple. Lorsqu'on cherche un cogs, on ne le trouve pas pendant des heures, mais après, on le voit plein de fois, une fois qu'on a fini la mission. Et lorsqu'on veut fumer certains cogs, si jamais on a besoin d'eux, ils s'envolent, et si on n'a pas besoin d'eux, ils rejoignent.
Vous êtes sur le live de l'échec, merci à tous. Oh là là, jeu de nul, hein. Pour rester poli. Parce que je voulais dire merde. Voilà, c'est un M-dropper dont t'avais besoin tout à l'heure, non? Oui. Eh bah tiens, il y en a un dans la rue, là. Bah merci, j'en ai plus besoin. Bah je sais bien, c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Bah écoute, moi je mange de la glace. Non, il va t'es dépressif? Non, je suis pas dépressif, mais j'étais pas super au top. Ouais, maintenant ça va mieux, là. C'est de la glace au Xanax. Tu fais quoi dans la vie? Là, je pêche. C'est trop chiant, les gens où tu commences à leur parler avec eux, la première phrase qu'ils viennent parce qu'ils savent pas quoi dire, c'est tu fais quoi dans la vie? Moi, ce que je déteste, c'est la phrase qui vient encore après. Le mec, tu lui dis je fais des films, la première chose qu'il va te dire c'est ah c'est marrant, j'ai un ami qui fait ça aussi, ou un neveu, ou un cousin. Je m'en fous mec, sincèrement j'en ai rien à foutre. Je te parle de moi là, je te parle pas de ton neveu ou de ton cousin. Pourquoi tu crois que ça va te rendre intéressant le fait que tu connaisses quelqu'un qui en fait? Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans la vie? Je fais des films. Je fais des films. Ah c'est marrant, j'ai un neveu qui fait ça aussi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai gagné mes 3 points de vie en plus. Ça y est? J'ai 22 points de vie maintenant. Moi je suis à 23. Ouais. Eh, je te bats de 1. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en ai rien à foutre. Je dois tabasser 2 télémarketeurs. Moi je prends celui qui me fait que je dois taper des niveaux de 2 ou plus. Ok. Ok. Ok, let's go. Ok, let's go. Tiens, Ryan, il y en a un autre qui arrive. Avec un bouton, il s'envole pas, j'annonce. Il vient. Non, il s'envole. Vraiment, c'est la journée, hein. Tiens, regarde qui va là. Ah, un dropper. Non, non. Plusieurs. Voilà. Voilà. Je suis dans la rue, je cherche juste un niveau 2, je ne tombe que sur des niveaux 1. Pour pouvoir commenter ce qu'il veut. Du coup, je le déteste un peu maintenant, finalement. Non mais mec, c'est pas possible, je croise que des niveaux 1. Je cherche juste un niveau 2, je ne croise que des niveaux 1. Le seul niveau 3 sur lequel je tombe, il est en train de se faire battre. On devrait faire un live comme ça, où on passe 2 heures juste à marcher. Quitte à faire un live où on fait que un seul truc, faisons un live pêche, pour que je puisse t'acheter des ailes. D'accord, là vraiment, j'ai la mission la plus large du monde. Je dois tuer des cogs anywhere. T'as combien d'images? J'ai les 9 premières dans l'ordre. Ah ouais, pas mal. J'en ai 10. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Ok, ok. T'as combien de points de vie? 23. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Ok, ok. Tu peux avoir combien de tâches en même temps? Il est pas drôle ce jeu. Merci à tous d'avoir regardé le live. Le best-of sortira à mon avis ce week-end, le temps que je le monte, sachant que j'ai d'autres projets pour d'autres clients à monter. Merci Mathieu d'avoir été là avec ce live, c'était un vrai plaisir. Et puis on se revoit la semaine prochaine.